Étienne, Symphorien, Kalala, Banandaï. TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botenabino, Banso. Wanagwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawa Salimi Yanini Ote. Banabetu, Basuwe, Moyoweno, Bonso. Vampangi à Mounou Yaluzolo, Vampangi à Vincent, Mbote Nabenu, Anna Lengo, Moyanyo, Tché. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Bandeko tokutani lisusu bona ba flash mibale nokinoki ba flash ekwei ezali sango mibale ya mawa. Donc il y a évêque Mukuna basengi 20 ans de prison likambo tolandaki tokanisaki ete ba kotika ye mais ndeko wana ya ministère public ye Azali Mofundi Mutoyo Afundaka. Donc, il est à 5 20 ans de prison. Mais juge, tout cas, ici, était, parce que ça, la télé-colle, parce que ça, c'est la cour constitutionnelle, ou bien, qu'il corrompre quatre juges, la cour constitutionnelle, ou bien, Kabili, Souana, Baninga, ya Kabila, Baninga, ya Obeminaku. Bakabeli bango 70 000 chacun. Wana équipe ya Jean-Marc Kabound bango moutou ba découvrir le Kamwana avant même. Bape sa verdict na bango yalelo. Donc arrêté na bango yalelo, ya cour constitutionnelle. Donc le Kamwana ya évêque Mukuna. Donc ezali presque un dengue moko Kabila Zanakati. Toye biete, bon, pasteur évêque Mukuna, donc Afundaki, la cour constitutionnelle, Afundaki Kabila pour n'avoir crime ou à commettre n'importe quoi. Mais, Kokangisa, évêque Mukuna, il a qui cité que Joseph Kabila à cause à la, j'étais un jour, hein. Pour preuve, l'Américain, Bazaliwana, Bazalina Trousse Naye. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Donc, Bandeko, bon. Les Kamboyoto annoncé, donc, Tangayango, ils ont la média. Pour, voyez, pour battre mon sous, pas le battre, que, bon, ils allaient les Kamboko, toi, inventer. Bien, y est boyé, et ça n'a média. Donc, Tanga, Bisson Yango. Donc, Tobandi, na Sangoyo, ya Jean-Marc Kabound. Tobandi, na condamnation. Après, Toko Tanga, information et actualité.cd a publié qui. Lobby le 16 ou anana, le 16 ou anana, ou publié qui te paquet qu'on corrompre Kouna avant même papé sa décision à l'élo. Voilà, après tout le qui na les cambouya avec Mokuna. Voilà. Chers compatriotes, Bande Konabiso, Jean-Marc Kabound a été débouté par la Cour constitutionnelle. Débouté, c'est-à-dire a commis la boutée. Donc, à Kominasuka, il y a Likamonaïté. Il a été débouté. Voilà. Donc, c'est publié par actualité.cd. Balobini. Tokotanga et Komami na français. Voilà. La Cour constitutionnelle a rejeté la demande introduite par Jean-Marc Kabound en annulation de la décision qui a porté sur sa déchéance en tant que premier ministre, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale.
La décision est tombée au cours d'une audience publique qui s'est tenue ce mercredi 17 juin 2020, après le report intervenu la veille à cause de la plénière des juges de la Cour qui s'est déroulée jusque tard dans la soirée. La Haute Cour juge la requête de Kabonde recevable mais non fondée. Jean-Marc Kabonde n'a donc pas obtenu gain de cause à la Cour constitutionnelle alors qu'il avait réussi à obtenir du Conseil d'État l'annulation de la décision fixant le calendrier de nouvelles élections du premier vice-président de l'Assemblée nationale et la suspension des dites élections. Le président ad intérim de l'UDPS n'a donc pas réussi à récupérer son poste et l'élection pour son remplaçant seront convoqués dans les jours qui viennent. Blaise Baïzé. Voilà, Bandeko, Batoyo Bazaliko Ebisa, Bino Ete, Kabila Azali toujours Wana, Azali ko commandé justice jusqu'wana, Bajij Wana ya Cour constitutionnelle, président Nabango, Luamba, François Luamba, Azali toujours Mutuyakala, donc Bazali Koloba Makambia solo. Donc le même scandale est à peine à l'Ikambouya, pasteur Mokuna. Ok, on va voir ça tout de suite, mais ce n'est pas la fin du monde, mais c'est déjà des raisons valables pour que le président de la République dissolve ce Parlement de fous. Voilà, chers compatriotes. Bon, total à Siko, le message joyo et bimaki avant, lobby le 16, le 17, n'est pas pesa qui décision la Cour constitutionnelle. Bon, total à Siko, le message oyo, bakenda qui peut publier na actu.rdc. Donc, oyo, groupe, il y a Jean-Marc Kabonde, bah, y'a qui koye bisaye, makambo, ils allaient koule kana. Cour constitutionnelle, les allées fuites. Oye Bimagi. Vous voyez que ça concorde, vous allez voir que ça concorde. Corruption à la Cour constitutionnelle. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le média actualité.cd. Donc, Bomoni Binomoko, image Yangwana Tigre, Yangwana Munene. Affaire Kabonde Mabunda, le FCC accusé d'avoir misé 280 000 dollars américains pour corrompre les juges de la Cour constitutionnelle. C'est très récent comme information, il y a 5 heures qu'ils ont mis ça. Voilà, on va lire cette information ensemble. L'affaire opposant Jean-Marc Kabonde à Jani Mabunda à la Cour constitutionnelle a été renvoyée en débat pour ce mercredi 17 juin. Un report qui ne s'est pas fait selon les juges, mais serait motivé par les cadres du Front commun pour le Congo. FCC accuse le camp du président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bon, Moni, il y a une information et Bimaki avant. Avant arrêt à Cour constitutionnelle débutant Jean-Marc Kabonde. Voilà. Des proches de Jean-Marc Kabonde expliquent que les cadres du FCC seraient entrés en contact avec les juges de la Cour constitutionnelle. Jani Mabunda aurait ainsi, par le canal d'Aubin Minaku, remis au juge Bokona, ancien président de la commission PAJ sous Minaku, alors président de l'Assemblée nationale, une enveloppe de 280 000 dollars américains. Cette somme, poursuivent nos sources, devrait être redistribuée en raison de 70 000 dollars américains à chaque juge, parce qu'ils sont quatre. Parmi eux, on cite le juge Kilomba.
le juge Mavungu, ancien directeur de cabinet d'Obé Milako à l'Assemblée nationale, et le juge Nkulu Kilombo, un proche de Joseph Kabila, afin de prononcer un verdict en défaveur de la partie plaignante. Officiellement prévu pour le mardi 16 juin à 21h, après l'affichage de rôle à 16h en présence des médias présents à la Cour constitutionnelle, l'affaire Jean-Marc Gabonde devrait se tenir ce jour, c'est-à-dire au jour mercredi, avec tous les risques de chantage et pression entachés de corruption, affirme-t-on. La partie plaignante croit dur comme fer que la déchéance de Jean-Marc Gabonde au bureau de l'Assemblée nationale a été émaillée de plusieurs irrégularités procédurales. Voilà qui pousse ceux qui dénoncent la corruption dans cette affaire judiciaire à croire en la sincérité de la Cour constitutionnelle, à dire le droit et rien que le droit, écrit par Rachidi Mabandou. Donc, bon, moni, message, Makambo et bimaki mardi. Donc, et bimaki mardi, yibisaki déjà que bon et kekuna. Voilà aujourd'hui mercredi. Cour constitutionnelle et lobby, requête naïzali recevable. Bah, qui ne recevra rien. Mais ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Bah, il y a un soubassement, il y a eu des irrégularités. Voilà comme quoi Kabila continue à corrompre. Qu'est-ce que le président de la République attend encore? Voilà une raison de plus de dissoudre le Parlement. Beaucoup de députés, députés, Balobi, il faut qu'on dissoudre le Parlement, Wana. Bon, Tolekisiko na chapitre ya Pasteur Mukuna. Bon, moni na procès ya évêque Mukuna. Bon, ce qui na bengi Pasteur Mukuna, bon comprendre quatre. Bon, évêque Mukuna, il faut tout retenir une chose. Ministère public, y azali mutoa fundaka. Jamais to cause là, na réquisitoire naïque. Voilà, pour la pasteur Mukuna, na moni, ye azali innocent, patati patata. Non, ye azali mutoyo, azali kofunda. Donc, par contre, avocat, bango baza batu ya défense. C'est que juge nde akokata makambo. Donc, mais quand même, 20 ans, Azali Kosenga, bon, peut-être, il y a Azali Kosenga considéré que, photo, on a les amakambia solo, viol, les amakambia solo. Mais Tolandaki, photo, on a vidéo, il y a la qui que Azana tatouage, photo, on a les tatouage, pour Azalaka boxeur. Batunaki, mwana mwasi wana, chibola. Est-ce que vous avez un souvenir et locomoko ils allaient dans zoto naïve? Allô bien locomokoté. Batémoignons sur le bail qui batémoana. Batémoigner en faveur ya passe évêque Mukuna. Et puis pour le macambo ya parcelle, mikanda ya parcelle. Pasteur Moko yoana allô bien. Yé mutoza kana mikanda ya parcelle. Yechibola lobi ke abotana ndeko kantia oya kufa wana oya zala ki pe pasteur na église ya évêque Mukuna alobi ke abotana ye mais bana na ye oya mwasi oya ndako po ye soki azalaka deuxième bureau soki copine soki nani mais ye pe azalaki na mwasi. Et moi, si principal, naïe, banaya, moi, si on a balobi, tout ça, là, ADN. Mais, il est kamwana et soukite. Voilà, tout cela, quand même, que juge wana, akoloba droit, denge balobaka, il doit dire le droit. Donc, le pasteur Mukuna est innocent, nous avons assisté. On nous a fait des comptes rendus à chaque fois. Parce que ça n'a pas été diffusé en direct. Donc, Soki va maintenir 20 ans, même Balobi 10 ans, même 5 ans. Wana,
tout le baké salimin dengue moko na makambo et salimina décision contre Jean-Marie Kabonde, une décision illégale, bah corrompre, bango des corruptibles. Kabila Zali toujours en abatonaïe, nabapionaïe, tout ça. Bon, on va lire ensemble le média, parce que nous, quand nous émettons, nous publions nos informations, nous donnons la source, nous la lisons ensemble avec vous. Voilà, chers compatriotes, Totanga. Bandeko, oyo eza scandale to eza ya solo, to landa ki procès oyo ya évêque Mukula, ba témoin bayaki, oyo ba bengisaki, bango nyonso ba témoignaki en faveur ya pasteur Mukula. Donc, ndeko wana chibola oyo afundaki, donc, azana ba preuve te ya ko kolakisa makambo na ye kezali ya solo me tokamwawa donc ministère public asengi ndenge bakomi awa donc actu-rdc.com justice 20 ans de prison contre l'évêque Mukula ministère public je crois rêver oyeza Kabila te L'heure de Ibsa Kabino que Kabila Azali toujours wana. Donc, Bodouta Kabe. Yango anate. Cour constitutionnelle, Basaline Denge Moko. La requête, il y a Jean-Marc Kabound. Okay. Bah, Pessi Bango, bah, corrompre Bangola, 280 000 $. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais tout en galant, Oyo. Ça doit être un scandale, réaction. Il y a population et cause à la réaction moko, vraiment une réaction sévère, hein? J'espère. Hein? C'est ce mercredi 17 juin qu'a une nouvelle audience concernant le procès de l'évêque Pascal Mukuna, accusé de viol et abus sexuels sur Mamie Tshibola. Cette audience a consisté en des plaidoiries de différents camps opposés. Le ministère public a, après avoir présenté ses moyens de défense, requis une peine de 20 ans contre le visionnaire de l'Église, ACK. En plus de cette peine, une autre de 2 ans pour menace, de 2 mois également, ainsi qu'une amende financière d'ordre de 1 million de francs congolais pour détention illégale des documents parcellaires qui appartiendraient à la plaignante Mamie Tshibola. Les avocats de l'évêque Mukuna ont pour leur part clamé l'innocence de ces derniers dans cette affaire de viol qu'ils qualifient de montage. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal devra prononcer son jugement dans les tout prochains jours. Depuis le 14 mai dernier, l'évêque Mukuna est en détention préventive à la prison centrale de Makala. Il n'a cessé de considérer les plaintes portées contre lui comme de la machination politique. Mais, chers compatriotes, est-ce que le ministère public, est-ce qu'il y a un juriste? Est-ce que Ayebi Bartikl y a un code pénal naï? C'est très clair que Makamounion soit un atout. Témoigner qui est en faveur, il y a Pasteur. Tshibola Azana élément à mon côté, il y a qu'à faire plonger Pasteur évêque Mukuna. Nous avons tous suivi ça. Même quelqu'un qui n'est pas juriste ne peut pas demander 20 ans. 20 ans pour quelqu'un qui semble être innocent. Tous les témoins qu'on a fait venir ont témoigné en faveur de lui. Et ce n'est pas lui qui détenait les documents parcellaires, parce qu'il y a un pasteur qui est venu là à l'obéir, Moutouazan, va document et à parcelle. C'est politique. Oh, Kabila. Oh, corruption. Corruption, il y a Bajijouana.
Est-ce qu'il avait changé de juge? C'est ça la question à poser, parce que Bandai Koboya, procureur Wana, est-ce que va changer à qui? Denge Komi Boye, on ne sait pas ce que le juge va prononcer. Hein? 20 ans, 20 ans. C'est vraiment malheureux, ça. Voilà, chers compatriotes, on va attendre dans les prochains jours ce qui va se passer. Voilà. Bon, Monibinomoko, chers compatriotes, donc ça veut dire que certains magistrats, il y a Kabylie, il faut Bazala écarter. Il faut Bazala Azali, ministère public, mais Penoya à Sengiwana, donc à Bandeli Angolicolo. Donc même à un ministère public, Mouto à Fundaka, mais Aébi très, très bien que. Preuve tangible comme tel les athées, témoignons donc témoigner en faveur de l'évêque Mokoulin. Voilà, chers compatriotes, Zalaki, breaking news rapide, flash informatif. Donc, Tosuki, Wana, Tokokutana, la émission Oyo Ekoya. Voilà, chers compatriotes, merci pour tous ceux qui regardent et participent. Voilà, veuillez partager ces informations pour nous indigner, parce que ça, c'est des messages aussi pour le président de la République, que il doit aller au bout avec le déboulonnage, parce que magistrats pourris, des magistrats pourris, il y en a. Voilà pour preuve, ils ont corrompu les quatre juges de la Cour constitutionnelle avec 70 000 dollars chacun, au total 280 000. Voilà, chers compatriotes, au revoir, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.